Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo à propos d'une thématique qui, personnellement, pour moi, c'est plus un sujet depuis longtemps. Mais je le constate, je le vois pour certaines des clientes que j'accompagne ou de personnes qui me suivent des fois, avec qui on échange, ou même de consoeurs, bah, des fois c'est un sujet qui revient. Et c'est un sujet qui peut me pendre au nez moi aussi, même si j'ai le sentiment que c'est réglé bah, par rapport à tous les contextes qui nous dépassent et auxquels on est parfois soumise avec les dernières périodes, ces années-là de confinement avec les enfants ou toute la famille à la maison. Voilà, le sujet en question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'aménager de vrais espaces à soi, qu'il s'agisse d'espaces temporels, donc de moments, ou d'espaces en termes de lieu, en fait, à soi pour pouvoir avancer sur ses projets, sur son activité, pour pouvoir travailler sereinement. Parce que, ben, je ne sais pas si vous en avez déjà fait les frais, si vous en avez fait l'expérience, mais quand on se retrouve au milieu de d'autres personnes, de la famille qui peut vous solliciter, les enfants, ça c'est le cas le plus extrême, en fait, on peut pas, honnêtement, on peut pas travailler correctement dans ces conditions. C'est hyper compliqué. C'est source d'énormément de frustration parce qu'on ne travaille pas comme on veut, on n'est pas satisfaite et de culpabilisation aussi parce qu'on culpabilise de ne pas avoir consacré assez de temps à son activité, à son travail et à sa famille, à ses enfants. Donc en fait, on est dans un tiraillement permanent et franchement, c'est tout sauf confortable et satisfaisant. Honnêtement, voilà. Ou alors, ça va durer un temps, mais très rapidement, ça va pas pouvoir durer comme ça. Alors, les clés que je peux vous donner qui font que... alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire, fais comme moi, moi ça marchait. Hein. Chacune, elle aura sa propre façon de faire en fonction de là où elle est, de ce avec quoi elle peut conjuguer, de ce qu'elle a à sa disposition. Donc, évidemment, ce n'est pas le but. Mais je pense, mes hypothèses, en toute modestie, sont bah déjà, il faut respecter ton travail et te respecter. Parce que comment veux-tu demander aux autres de respecter bah, tes moments où tu travailles, tes moments qui sont aussi des moments à soi. Hein. Parce que si c'est un travail que tu fais de chez toi, pour lequel tu as ton compte et que tu as choisi, c'est qu'en principe, il t'éclate, il te plaît et que voilà. Donc c'est un moment aussi à toi qui te fait du bien de, a priori, de travailler là-dessus. Donc l'idée, c'est de prendre au sérieux ça. C'est-à-dire, là, t'es pas en train de jouer à la maison, à travailler. Non, c'est un vrai travail. C'est un travail auquel tu tiens, pour lequel tu as des projets, quels qu'ils soient, ils comptent, pour lequel tu as des ambitions, des objectifs, et quels qu'ils soient, petits ou grands, aux yeux des autres, on s'en fiche, ils comptent. Ce sont les tiens. Et voilà, donc déjà, toi... le fait de respecter ces projets-là, ces envies, ces objectifs, etc., ça passe par faire ce qu'il faut pour les atteindre. Et faire ce qu'il faut pour les atteindre, bah, ça nécessitera forcément de travailler sérieusement dessus, d'y consacrer vraiment un temps de qualité, une énergie suffisante, de la disponibilité suffisante. Donc déjà ça, si toi, tu respectes pas assez ça, comment veux-tu que les autres le respectent? Donc déjà, il faut pouvoir incarner ça, incarner le fait que c'est sérieux, ça compte pour toi, c'est important et il n'y a pas à discuter là-dessus. Voilà. Parce que sinon, tu ouvres la porte à oh, ben, tu peux me faire ci, cela, etc., à des moments où tu avais prévu de t'y consacrer ou quand tu es en plein travail. Et du coup, bah après, il y a plein de choses qui s'engouffrent là-dedans et après, c'est difficile pour poser les limites. Donc déjà, voilà. Et puis, on le sait bien, les mamans sont souvent championnes pour ça. Je suis bien placée pour le savoir. C'est le côté, ouais, mais bon, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave, en gros. Je m'y remettrai plus tard ou priorité à ceci, cela. En fait, c'est... N'espère pas obtenir une médaille pour ça, pour avoir dit moi c'est pas grave, pour t'être fait passer au second plan. Il n'y a aucun mérite à ça, t'es pas une héroïne quand tu fais ça. Clairement, faut arrêter avec cette idée-là. Alors certes, je dis pas de passer au tout extrême, je m'en fiche des autres, je m'en fiche de mes enfants, je m'en fiche de tout ça, mais
toi, ça compte. Et en fait, si tu es capable d'incarner ça, bah, tu vas être aussi un modèle, bah, si tu as des enfants, pour tes enfants aussi, sur le fait que quand on a des projets, des choses à réaliser qui nous tiennent à cœur, et ben ça compte. Et quand tu demandes aux autres de le respecter, bah, tu leur montres l'exemple pour qu'ils le fassent peut-être eux à leur tour un jour. Donc c'est important d'incarner ça, il me semble. Voilà, et je dis pas de t'en foutre royalement de ce qui peut se passer autour de toi, de ta famille, de tes enfants, etc. Il ne s'agit pas de ça. Mais il ne s'agit pas non plus de tomber dans l'autre extrême de moi, c'est pas grave. Et on s'en fiche, bah, je me débrouillerai, je travaillerai ce soir quand je serai fatiguée, ou la nuit, ou. Enfin, non. Non, 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 ça compte, ça compte. Et je pense que c'est important d'incarner ça, de montrer ça comme modèle, comme exemple. De respect envers soi-même et voilà. Et d'éduquer au respect d'autrui. Voilà. Bref. Ensuite, il y a autre chose qui me semble important aussi, c'est de te poser un cadre, toi, de savoir. Alors, même si bien sûr c'est important de faire preuve de flexibilité, etc., mais de faire preuve d'un minimum de cadre, de se dire, voilà, aujourd'hui, je vais travailler de telle heure à telle heure et dans quel endroit, dans quelles conditions. Et en fait, de préparer ces conditions. Si toi, t'es pas disposé déjà à accueillir la charge de travail que tu as à recevoir dans de bonnes conditions, si t'as pas mis en place l'organisation nécessaire pour ça, bah, il se peut que ça soit du cafouillage, honnêtement. Et il se peut qu'il y ait des choses qui arrivent et qui n'étaient pas forcément prévues, etc. Parce qu'en fait, toi, tu n'étais pas prête, tu n'étais pas disposée à accueillir ce temps de travail-là, en fait. Et ça, c'est important parce que ça va te permettre d'aménager des sessions de travail, en fait, sur ton activité qui te permettront d'aller en profondeur, d'aller goûter à ce qu'on appelle le deep working. Donc, du coup, de te plonger pleinement dans quelque chose. Ça va forcément être source de satisfaction, de fierté, une fois que tu auras terminé. Parce que quand on est entrecoupé, constamment dérangé, ou nous-mêmes parasité par des pensées extérieures, etc., que t'as pas pu te mettre dans des conditions qui auraient favorisé ta concentration, etc., ben c'est difficile après d'être contente de ce qu'on a fait. Clairement. Donc, du coup, c'est vraiment ce à quoi je t'invite. Je t'invite à t'aménager et à respecter des espaces de travail. Et alors, ça passe par le choix du lieu. Si tu peux être dans un endroit où tu es au calme, où tu es isolé, où tu peux fermer la porte, où tu peux ne pas entendre ce qui se passe à côté, ne pas voir, parce que même ta vision, elle va te perturber si ça te fait penser, oh la vaisselle là-bas, oh le linge là, oh les papiers dont je me suis pas occupée, oh machin. Bah du coup, comment veux-tu te concentrer dans ce que tu as à faire? Et ça, ce qui est génial, c'est que ça te permettra d'aller en profondeur sur des temps consacrés à ton travail, ben, dans les tâches que tu as à accomplir. Ça t'évitera d'y revenir sans cesse et le temps de reconcentration dedans, le temps de. Enfin, franchement, t'en perds énormément et tu perds énormément de temps, d'énergie, ça fatigue, ça. Enfin bon, bref. Et t'es pas satisfaite. Je suis passée par là, hein, c'est du vécu, tout ça, ça doit se sentir. Donc, l'idée, c'est vraiment bah, de pouvoir concentrer en fait ces moments de travail-là pour ensuite te dégager du temps pour toute autre chose. Et ainsi éviter de. En permanence, ça c'est un travers aussi dans lequel on peut tomber en tant qu'entrepreneur quand on travaille de chez soi, c'est de te dire, bah là, je fais un petit bout de travail, je fais un petit bout de travail, un petit bout de ça, un petit bout de truc perso, un petit bout de. Voilà. Et en fait, tu travailles tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça peut durer jusqu'au soir, même la nuit, même tout ça. Alors que si tu as aménagé des espaces où tu concentres ça, déjà, non seulement tu peux t'y mettre de façon très concentrée et profonde, en mode deep work dessus, donc faire les choses bien, de façon qualitative. Et en plus, quand tu sais que voilà, t'as la fin de ton horaire de travail est arrivé, tu peux passer à autre chose et te déconnecter, penser à autre chose, prendre du recul, te ressourcer, etc. Et pas être tout le temps, oui, non, je travaille à moitié ou quoi. Donc ça, c'est, je pense, important. Je serais ravie de savoir ce que t'en penses de ces petits conseils pour créer, s'aménager de l'espace pour soi. Pour être satisfaite en fait de ce que tu fais et pour pouvoir vraiment avancer dans ton travail et voilà. Je serais ravie que tu me dises ce que tu en penses. Voilà, je t'attends.